établissement scolaire fait partie des premiers établissements scolaires du Sénégal, pour ce qui est de l'enseignement élémentaire. Parce que c'est une école qui serait créée, d'après les archives qu'on a trouvées sur place, qui serait créée en 1898. Donc je crois qu'elle va être âgée aujourd'hui de 125 années. École Abdelkader, c'est une ancienne école coloniale. D'après les archives, nous avons oublié 1890. 1895, nous avons oublié. 5 ans, 6 ans. Par cause d'épidémie, manque d'élèves, nous devons être en 1998. Donc là, je vais démarrer. Le premier directeur, c'était M. Urbain Carnet. Wow, Abdelkader Ley, nous sommes c'est la première école publique du département de Mouyé. Président Mouyé, il y a Diarna comme directeur aussi. A servi à l'école. Il y a eu une fille qui a été envoyée. Ensuite, doyen Sékou Diouf. Ensuite, M. Sam. M. Sam, ancien inspecteur de caisse, mon diable. C'est une ancienne école qui a formé beaucoup de cadres. Il y a une capitale départementale et régionale. Nous avons dit que nous avons une école. Nous avons une personnalité qui est très importante. Nous avons une école qui est très importante. Nous avons une école Abdelkader Ley, une école qui est très C'est une école qui date de avant l'indépendance. 1898, c'est avant l'indépendance du Sénégal. Alors, initialement, ce n'était pas aujourd'hui comme aujourd'hui. L'école aujourd'hui compte 12 classes, 12 salles de classe qui fonctionnent correctement. Hein. Nous n'avons pas de déficit de personnel. Mashallah, nous avons 12 enseignants créés en main, un directeur déchargé et deux maîtres d'arabe qui font exactement correctement leur travail. Mais pour revenir, comme vous dites, sur le, disons, le cheminement de l'école, si je pourrais ainsi dire, initialement, l'école a commencé par deux salles de classe en 1898. Vous voyez les salles, les bâtiments qui font face au portail. Ce sont ces salles de classe-là qui ont démarré l'école. Et c'était pas... Quand on les construisait, initialement, j'ai dit que ce n'était pas pour des salles de classe, mais c'était pour un bureau de poste. C'est quand l'école a été créée, avec comme premier directeur, M. Urbain Garlin, le Goréen, alors qu'on a érigé ce bureau de poste-là, on l'a transformé en salle de classe. Et ensuite, petit à petit, l'école a grandi, en passant à 3, 4, 5, etc., jusqu'à arriver aujourd'hui à 12 classes. Voilà, nous avons aujourd'hui un cycle doublement complet. Ça devait être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Parce que l'école qui dit tout le Sénégal, c'est que nous avons une organisation avec nous. Nous avons une organisation qui est établie. Nous avons une organisation qui est établie. Nous avons une complexe scolaire. Nous avons une zone A, une zone B. Nous avons 24 classes. Parce que l'école Boutolni est la première dans le département de l'UNESCO. Vieille de plus de 100 ans. Ñu bëré bëri jaar fi fu faru fi ay cadre ci Sénégal bi tay ñu xol ko école bi nekk ci état bi mu nekk ci le donc wa ficelle joggé mëna wax wa ficelle parce que c'est lors d'une assemblée générale ci lañ joggé waxtaan né nak état bi école bi nekk war nañ ci jog parce que école bu yagge ni wax deug yalla joué un rôle important ci walu éducation. Donc, il y a une assemblée, un comité de pilotage, qui est un comité de bureau exécutif pour nous faire un projet pour la réhabilitation de l'école. Les premières salles de classe dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'étaient pas des salles destinées à recevoir des enseignements des élèves.
c'était un bureau de poste qu'on a scindé en deux pour en faire deux salles de classe. Donc ça pose un problème d'étroitesse. Et malgré tout, ça contient des enfants. Donc vous imaginez là les difficultés dans lesquelles les enseignants de ces classes-là sont. Voilà. Mais on fait avec, en attendant d'avoir mieux que ça. D'avoir mieux que ça. Bon, d'abord, on a créé un comité d'initiative en 1998. Nous avons 100 ans. Nous avons fait 100 ans. Nous avons eu beaucoup de projets. Mais avec le décès du directeur, il y a eu perturbation. Nous avons eu un suivi. Nous avons eu vraiment l'école de l'école. Nous avons eu beaucoup de l'école. L'école est en état de développement avancé. Nous avons eu beaucoup de l'école. Même dangereux pour les gens et les gens. Parce que si on sait, l'école est classifiée best, l'école 12 classes. L'école complète, le cycle complet. 12 classes là. Mais si on a 12 classes, on peut dire que les deux bâtiments sont les bâtiments qui sont les normes. On peut dire que c'est bon. Ce qui est tout, wax deug yalla buñ ko xolé laaj nañu défarat ko wala sax ñu daanel ko défarat lénen donc ci lolu nak comité de pilotage djok bu ci liggéey pour vraiment ñu taxaw wat école bi djox ko place bi nga xamné mom la yéllu. C'est une école qui compte quand même assez d'enfants parce que nous en avons 705 élèves. Nous dont 350 garçons et 355 filles. Alors c'est une école qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait quand même des résultats. 80%, plus de 80% de taux d'admission à l'examen du certificat de fin d'études élémentaire et au concours d'entrée en 6e. Alors ce qui fait que bon, on reçoit et on continue de recevoir des demandes, des cas de transfert, des élèves qui veulent, dont les parents veulent venir inscrire leur enfant ici. Et donc ça pose aussi des problèmes parce qu'on ne voudrait pas laisser des enfants dans la rue. On prend autant qu'on peut, mais toujours c'est avec des difficultés. Asseyez-vous. L'école que je connais, c'est le département Mbour. Je peux dire que c'est l'école arrondissement, l'école département, l'école du Sénégal. Donc, si on le voit aujourd'hui, nous sommes dans l'état de délabrement. SOS l'a lancé à toute la population de Kizil d'abord. À sa tête, Monsieur le maire de la commune et Madame le préfet de l'arrondissement de Kizil. Moi, je connais Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et Monsieur le président de la République. Donc nous avons tous les gens, parce qu'une école vieille vraiment de plus de 100 ans, n'est une première dans le département de Mbour, qui a mérité un visage de l'école. C'est une structure scolaire assez vieille. Vieille de par ses infrastructures, vieille aussi de par le matériel pédagogique qui est là. Et voilà, donc comme toute œuvre humaine qui a atteint cet âge-là, elle devra avoir besoin d'une réhabilitation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des fils de ficelle se sont engagés à essayer de prendre en charge cette réhabilitation-là. Et nous y appelons tout le monde, tous les fils de ficelle, et même ceux qui ne sont pas près de fils de ficelle, mais qui ont eu à faire leur humanité au niveau de cet établissement. On leur tend la main, on lance un SOS pour qu'ils reviennent à leur école et participer à sa réhabilitation. Il y a un comité de pilotage qui est mis sur place. Il y a un groupe WhatsApp qui est ouvert, qui s'appelle AKL, ma première école, et où figurent déjà beaucoup de ficellois, et donc des non-ficellois, mais qui ont fréquenté cet établissement. Nous les appelons à faire un clin d'œil. Voilà sa dame Diafé, voilà sa parent Diafé. Nous,
parce que école la bo xamné vraiment dafa marqué fisaté amuñu ci patrimoine fisélois bi patrimoine bu ko parce que école fa la ñëpp di jaar cadre yi mënuñu leena lim mënuñu leena lim parce que buñu leen doon lim dinañ ci def une année waaw légui nak ñom ñoo wara buñu lancer affaire bi ñu gis ci seen bop ku ne do duggal ci sa loxo parce que yaakaar naan ko ci ku ne duggalé sa loxo du xat sax ci affaire bi bu mo waxé aussi population fisel wax à sa tête monsieur le maire ak madame le préfet wax ministère de l'éducation wax monsieur le président de la damay wax aussi les partenaires privés financiers ñoñu aussi wax deug yi dañ leen talal loxo parce que li wax na du nek lu yom parce que sur 12 classes nga jël ci ñent classes rek ñoo ci xawa nek état bu baax li ci dess yépp ñi dañ ko wara defrat yi dañ ko wara danel tabaxat ko lolu du nek lu yom donc ñu ci talal loxo ñepp ñepp partenaires yi autorité yi population yi c'est ñepp bayu kenn. Je crois qu'il faut aussi dire que préciser que bon malgré tout l'école quand même qui dispose d'une équipe pédagogique très dynamique de jeunes enseignants, des hommes et des jeunes dames, très, très dynamique, parce que quand on en juge par les résultats, que les résultats scolaires, on peut vraiment être satisfait. Déjà, depuis 3 ans, 4 ans, l'école affiche des résultats scolaires à la fin de chaque année, des résultats très satisfaisants. Et aujourd'hui, à l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et au concours d'entrée en 6e, nous avons eu plus de 80% d'admis. Ce qui nous a valu des félicitations de l'inspection départementale, l'inspection de l'éducation et de la formation de Bourdeux. Alors donc, vous voyez que malgré tout, malgré la vétusté de l'école, malgré les conditions de travail difficiles, malgré les tableaux à refaire, etc., les murs de clôture qui ne tiennent plus correctement, etc., les fenêtres et les portes qui sont défectueuses. Malgré tout ça, les enseignants se démerdent quand même pour assurer des apprentissages enseignement corrects et très, très performants. Peut-être que vous avez dit que nous avons remercié le président du CGE. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons fait c'était en 2012. Nous avons lancé à travers des lettres que nous avons dit que nous avons dit effectivement lettre yoy demone na ba ci lañu réhabilité won mur bi boko gisé mur dañ ko yokkat touti sino kon mur bi fo tollu di sen école lolu donc bañ ci joggé ci xalaatu président CGE bi muy le chef de village de Fessel Escale Abdoulaye Fay ci lañ woté wat assemblée générale taxawal li projet de relance comme ou bien au temps pour moi projet de réhabilitation de l'école Abdoulaye Fay école mom kenn amul lu ko ndax moy soklu fondement société té sa doom jaar fenn wala yow nga jaar fenn mu formé la tant soit peu lu mu def ci yow lu mu touti amna lu la jaar ba taxna war nga ko delo wat ñu diko xol suñu doom suñu sata di mën ci bénéficier parce que école mom c'est le fondement de la société fa lañuy forger l'homme de demain. Il y a quand même école qui est venue là. Il y a un groupe WhatsApp qui est venu. Il y a un groupe aussi sous la direction du trésorier général, du comité exécutif, qui est le cadre de l'école, qui est venu. Donc, il faut que nous ayons une participation. Mais il y a aussi, comme nous avons dit, il faut que nous ayons. Ak état bi mu tollu ni participation baxna ci lool mais yaakar na ni mom kessé du ko mëna défar ba taxna on tend vers la conception d'un projet bo xamné vraiment day tund lepp bo xamné aussi fep nañ ko fa talal képp ku ci mëna japp nga japp ci pour que dans les années qui suivent école bi mëna mel na mu wara mel dinañ ubbi aussi page Facebook duggal ci li lepp lancer un SOS pour l'école. Dans le cadre du comité de pilotage, il y a une sous-commission communication et information. Donc, je crois que vous-même, vous en faites partie. Et donc, voilà, nous adressons à vous, nous nous adressons à la radio locale, à Pintimi. Nous allons vers un point de presse hein, pour que l'information puisse être portée partout au Sénégal et même dans la diaspora.
parce qu'on sait aussi que les Ficellois qui sont hors du pays sont disponibles et disposés à appuyer cette école-là pour qu'elle puisse reprendre son souffle d'antan. Voilà, donc l'aspect communication va être bien géré par les zones de Serraï. Et donc voilà, nous porterons l'information à plusieurs niveaux, partout où elle va être sollicitée. Jungle.